Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoulou Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de se déplacer sur 25 mètres avec le lance-toile de Spider-Man dans plusieurs quartiers. Alors pour réaliser ce défi je vous affiche une map pour vous aider à trouver des gants de Spider-Man avec tous les emplacements de gants de Spider-Man de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite. Donc là moi je vais me rendre juste ici parce que je sais qu'il y a des gants de Spider-Man tout près. Ouais donc normalement ils sont quelque part par ici, voilà, ils sont là. On peut les repérer avec l'étoile d'araignée, donc juste ici. Attendez, je vais vous montrer sur la carte. Hop, juste ici, à cet emplacement-là, il y a des gants de Spider-Man et c'est juste à côté des emplacements des défis qu'on doit faire. Donc, moi, je préfère prendre cela. Ah, ok. Donc là, il y en a un. Normalement, il y en a deux. Normalement, c'est toujours par deux. Donc là, il y en a un. Et le deuxième, je sais pas où il est. Normalement, il y en a un deuxième quelque part. Mais je sais pas du tout où il est. Enfin bref. Ensuite, quand vous avez des gants de Spider-Man, ce que vous allez devoir faire, c'est voyager sur 25 mètres de distance avec le lance-toile de Spider-Man dans plusieurs quartiers. Alors les quartiers, c'est soit Sleepy Sound, Daily Bugle, Coney Crossword, Condo Canyon, Tilted Tower ou Greasy Groove. Donc voilà. Ici... ici, ici, là-bas, ici ou là-bas. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aller à Daily Bugle et on va aller voyager dans les quartiers. Donc, c'est parti. Normalement, il y aura juste à... moi, je l'ai déjà fait à Tilted Tower une fois. J'ai été dans Tilted. Je me suis balancé avec les gants de Spider-Man. Ça a validé mon premier emplacement. Donc là, normalement, on va valider le deuxième en voyageant dans les quartiers. Regardez, voilà, se déplacer sur 25 mètres avec le lance-toile dans différents quartiers. Ça a fonctionné aussi dans Daily Bugle. Donc vous avez juste à prendre vos gants de Spider-Man et à voyager dans les lieux dits que je viens de vous citer juste avant. Quand vous aurez voyagé sur 25 mètres de distance dans 3 lieux dits que je vous ai cités juste avant, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikoulou Mec et ciao, peace.